Yosen, future agricultrice. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Donc, on va passer la journée ensemble. Je vais vous emmener au travail. On est le mardi 21 janvier. Et donc, on va commencer par aller faire le tour des bêtes pour voir si elles vont bien, pour voir si elles ne sont pas en chaleur et pour vérifier si les veaux ne sont pas malades. C'est parti. À première vue, celui-ci, il a la diarrhée. Celui-là, il n'a pas le nez sec. Par contre, celui-là, il faudra venir le soigner parce qu'il a la diarrhée. Allez, Loulou, lève-toi. Allez. Donc, je vais regarder s'il n'a pas un gros nombril. Au niveau du nombril, ça va. Bon, par contre, il n'a pas bu. Donc, on va l'emmener là-bas. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Oui, donc clairement, on voit qu'il a pas bu. On viendra leur donner à manger après. On va déjà aller faire le tour. Voir s'il n'y a pas de problème particulier. Et on peut voir ici que c'est en chaleur. Donc on a fait la paille hier. Donc là, on voit pas, mais c'est quand même propre. Et là, vu qu'elles ont piétiné toute la nuit, elles ont tout sali. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon téléphone. Et je vais aller sur Cinest. Mettre comme quoi que Madame Hermine, elle est en chaleur. Donc on est le 20. Le taureau, c'est ouragan. Et la vache, c'est 8243. Suivant, validé. Ensuite, derrière, ça caille. Donc je vais préparer à manger et je vous reprends après. De 1 an, donc on va leur donner la ration pour la journée. C'est un mélange, on fait maïs, foin, paille, de la farine et du tourteau. Donc par-dessus, vu qu'elles sont maigres, on leur met un aliment d'engraissement. Mélanger avec de la farine orge maïs et là on va aller le donner. Avant de donner ma farine, je vais tout repousser l'ensilage parce que à chaque fois qu'elle mange, elle repousse. Donc je vais tout repousser
Et après, je pourrais poser la farine dessus. Alors une fois que les bêtes d'engraissement, elles ont eu à manger, ici je viens donner du mélange à une vache qui a eu des petites jumelles. Donc si vous me suivez sur ma page Facebook, je les ai appelées Phoebe, les deux, sauf que je ne les ai pas écrits pareil. Et donc vu qu'elle a besoin de plus de lait, donc elle va avoir à manger et les autres, elles vont seulement avoir du foin. Donc c'est parti, je vais aller leur donner tout ça. Celui-ci, il a eu la bonne idée de se coucher ici. Comme ça, elles vont lui marcher dessus quand elles vont venir manger. Allez gros, lève-toi. Donc là, je donne le foin et ensuite je vais aller commencer mon bol pour cet après-midi. Donc on se retrouve dans le 5060 pour aller faire le bol. Donc, avec la mélangeuse Super Tino. Laisser chauffer un peu. Fais un bisou. Je vais mettre 240 kg de foin, 240 kg de paille, 6 seaux de tourteau, 6 seaux de farine. Ensuite, je vais mettre 3 kg de sel et 6 kg de minéraux. Et il n'y a pas la clé dans le merlot, il faut que j'aille la rechercher. Donc la ration là, c'est pour 60 vaches qui allaitent. Je vais faire ça et je vous montrerai tout ça en accéléré dans la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue non plus parce que c'est mon premier vlog. Donc voilà. Thank you.
Donc une fois que j'ai mis mon foin à ma paille, tourteau, farine, minéraux, sel, maintenant je vais aller rajouter du maïs jusqu'à 2,4 tonnes. Et ensuite la ration elle sera prête